Bonjour, je vous présente ici une introduction sur la granulométrie des sables. Bon, en général, donc, on fait une petite introduction, c'est-à-dire des généralités en général, où l'on peut faire des rappels sur les roches détritiques, parce que quand même, on va étudier des roches détritiques qui sont les sables. Et donc, ce sont des roches exogènes formées par des processus physiques de surface. L'étude de ces roches permet de reconstituer bien sûr les paléoenvironnements, c'est-à-dire les domaines sédimentaires, les paléogéographies, lorsqu'il s'agit de roches anciennes, bien sûr, lorsque l'on s'intéresse à reconstituer un bassin sédimentaire, et les paléoclimats, bien sûr, c'est très intéressant, surtout à l'heure actuelle où l'on on essaie de parler de réchauffement climatique ou d'autres phénomènes, bien sûr, qui surgissent à notre temps. Et donc, ça nous intéresse de savoir si les paléoclimats se sont succédés un petit peu par des phénomènes, enfin, se sont succédés par le, dans le même, si vous voulez, dans le même contexte que l'on connaît actuellement. Donc, caractériser les milieux de sédimentation actuels et leur évolution aussi. Donc, cette étude s'articule autour de quatre processus. Les conditions d'érosion produisant les sédiments, bien sûr, ces conditions de pente, les conditions climatiques, les conditions, si vous voulez, qui ont contribué à la destruction du relief, d'anciens reliefs. Les conditions de transport, donc tout ce qui est agent de transport, soit les eaux, soit le vent, soit les glaciers, bien sûr, ou les solifluctions, etc. Les conditions de dépôt et l'évolution des dépôts et de diagenèse qui vont suivre, bien sûr, après le dépôt dans le bassin. Ces processus permettent de distinguer trois types de roches sédimentaires, bien sûr, comme vous le savez, les roches d'origine chimique obtenues par précipitation directe d'éléments chimiques, les roches d'origine biochimique dues à des accumulations ou des précipitations d'origine organique. Donc il y a du carbone, si vous voulez, tout ce qui est carbone, bien sûr, organique. Les roches détritiques formées par des débris particules et particules issues d'une désagrégation mécanique. Donc, c'est les roches détritiques purement et simplement, ce que l'on appelle les roches détritiques en général. Bon, ces roches, les roches chimiques carbonatées, ce qu'on appelle des carbonates, les évaporites, les gypses, les dolomies. Bon, les gypses font partie des évaporites, bien sûr, avec les sels. Les dolomies aussi, secondairement, bien sûr, et les dolomies sont secondaires. Les marnes, parce que c'est constitué quand même par une bonne partie de calcaire, les silex, parce qu'ils contiennent beaucoup de silice, et les travertins, parce qu'il s'agit de, si vous voulez, de concrétion calcaire autour de racines ou de végétaux, etc. C'est ce qu'on appelle le travertin, essentiellement dans les chutes d'eau continentales, c'est-à-dire les cascades ou encore les sources d'eau continentales. Les roches d'origine biochimique plutôt, c'est les pétroles, la houille, ce qui est charbon bien sûr fossile, les phosphates, les calcaires construits, donc les récifs, ce qu'on appelle des récifs, les calcaires organismes, bon, tout ce qui est les récifs aussi, la craie, parce que c'est constitué par des organismes, bien sûr, micro-organismes, soi-disant qui donnent la craie, les stromatolites, parce que ce sont des concrétions calcaires autour de nucléus ou autour disons, de noyaux qui vont contribuer si vous voulez, au dépôt de lamination stromatolitique, et les travertins, comme je viens de citer. Les roches détritiques. On va s'intéresser essentiellement ici aux roches détritiques. Une roche détritique est une roche sédimentaire composée d'au moins 50% de débris. Si les débris sont issus de l'érosion, d'autres roches, ce sont des roches détritiques terrigènes, bien sûr, c'est tout ce que l'on connaît dans les milieux continentaux, essentiellement dans les piéments, etc. Si les débris sont formés par des squelettes d'organismes vivants, ce sont des roches biodétritiques. Bon, en général, c'est des sables biodétritiques, c'est des sables de plage ou encore
autour des récifs qui subissent une érosion mécanique par les vagues. Donc, ces types de roches détritiques, les types de roches détritiques en général, sont soit meubles, soit consolidés. Ils sont toujours constitués par des éléments figurés, bien sûr. Ce sont des éléments tout à fait figurés, si vous voulez, des éléments qui constituent la roche. Bon, par exemple, les sables sont constitués par des grains, il faut bien le dire. Les graviers, enfin les cailloutis, si on peut dire, les poudingues, tout ce qui est cailloutis, poudingues, ce qu'on appelle cailloutis. Si vous avez une formation de conglomérat, c'est ce que l'on a l'habitude d'appeler conglomérat, qui n'est pas consolidé, donc il y a roches qui sont des roches meubles, on appelle ça des cailloutis. Mais c'est composé par, bien sûr, des graviers, c'est la taille centimétrique, des galets, c'est la taille décimétrique, et par les blocs qui sont pluridécimétriques. Les blocs, bon, c'est la grande taille. Ou jusqu'à métrique, plurimétrique, bien sûr, on appelle ça des blocs. Puis les sables, bien sûr, constitués essentiellement par des grains de, certainement, de parfois de quartz, feldspath, mica, débris de roche, etc. Le limon, essentiellement, donc, des granules, ce sont des granules de, si vous voulez, de quartz, des granules aussi de feldspath, etc., de mica, et avec certainement une petite partie de calcaire. Bon, les limons sont en général contiennent plus ou moins une petite portion de calcaire. Les loess, et on passe aux roches détritiques, enfin consolidées, vous appelez ça les grès, les brèches, les conglomérats, l'argilite, les siltites. Bon, on appelle aussi des pellites. On appelle, vous trouvez ici quand même les pellites pour les roches essentiellement de bassin profond. Bon, ce sont des pellites, par exemple des turbidites, bien sûr. Les roches détritiques terrigènes représentent entre 80 et 90 de roches sédimentaires, en général. Les roches détritiques sont classées en trois groupes selon, bien sûr, la taille des éléments. Les rudites, c'est supérieur de 2 mm, les arénites de 0,063 mm à 2 mm, ou encore de 63 microns à 2000 microns. Les lutites sont inférieures à 63 microns, bien sûr. Bon, ici, quelques images que vous connaissez très bien. Donc, par exemple, ici, c'est des fonds de dessiccation, bien sûr. Ce sont les argiles qui subissent ces fonds de dessiccation. En général, lorsque le matériel est très riche en calcaire, lorsque c'est séché sous le soleil, bien sûr, il va subir une dessiccation comme ça. Et vous avez des fonds de dessiccation, donc c'est essentiellement des argiles. Bon, des conglomérats ici, je sais pas, c'est une terrasse de l'Oued, je pense. Bon, c'est des terrasses sur des roches anciennes, donc une roche ancienne noire, et des terrasses de l'Oued qui sont déposées secondairement, bien sûr. Bon, les tailles, vous avez la taille des galets, la taille des graviers et la taille des sables. Donc, ça c'est dans les sables. Quand on parle de sable, on imagine que les sables sont toujours les sables que l'on a l'habitude de voir. Mais non. Dans la nature, il existe plusieurs types de sables selon le contexte, selon la région, selon le climat, selon, bien sûr, la roche mère. Bien sûr. Donc, les sables quartzeux rouges, bon, des sables quartzeux, des sables blancs hétérogènes, des sables hétérogènes, beige, si vous voulez, ils ont des couleurs beige, des sables bioclastiques, on voit ici des bryozoaires ou des clasts d'origine biogénique, sable jaune, sable noir, quand vous avez des îles volcaniques, par exemple, il y a beaucoup d'îles volcaniques essentiellement qui vont délivré essentiellement en sable noir, donc d'origine de débris de roche de basalte. Des sables glaciers qui sont anguleux, donc vous savez que les sables glaciers ne vont pas être émoussés ni arrondis, mais ils vont rester pratiquement anguleux. Donc c'est des sables glaciers, caractérisés par cet aspect anguleux.
Puis les sables marins hétérogènes, c'est ce que l'on a sur nos plages parfois, bien sûr mélangé avec des organismes bioclastiques. C'est les sables que l'on connaît bien sûr, avec surtout lorsque vous êtes proche d'une embouchure, d'un oued. Bien sûr, de nos oueds, en général, ils proviennent de la région silicoplastique, donc ils amènent beaucoup de quartz, si vous voulez. Bon, caractérisation des formations et des dépôts, méthode d'étude. Bien sûr, on s'appuie sur la couleur, évolution pédogénétique, héritage sédimentologique. Bah, les couleurs, vous savez que ça peut nous indiquer beaucoup de choses sur l'évolution et la nature de la roche, et aussi le milieu dans lequel s'est fait l'évolution de ces dépôts. Les structures ou textures, nature et disposition des éléments les uns par rapport aux autres, bien sûr, on peut avoir beaucoup de, disons, de données à partir de la structure de ces dépôts détritiques, les grains de classement, les éléments, si vous voulez, les imbrications, les litages, etc. Tout ça peut bien sûr nous indiquer beaucoup de choses sur le milieu de dépôt et sur la nature de la roche, bien sûr, et surtout sur les conditions du milieu. L'épaisseur, indicateur climatique important, bien sûr. Que vous avez des évolutions, c'est pas lorsque vous avez des formations éoliennes par exemple, ou lorsque vous avez de grandes étendues de matériaux, si vous voulez, gréseux marginaux littoraux, comme c'est le Trias par exemple, ici au Maroc, etc. Donc, granulométrie. La granulométrie, c'est transport et compétences. Donc, on va savoir qu'est-ce qu'on peut savoir à partir de la granule. Transport et compétences sur les cours d'eau, ce qui permet de déterminer les ouvertures et les fermetures des milieux litho-dépendance granulométrique. Donc, ça, c'est un petit peu à travers des études sur les bassins sédimentaires, bien sûr, on peut avoir une idée sur le milieu lui-même, sur l'arrivée des milieux, des dépôts dans le milieu. Est-ce qu'ils arrivent de régions très proches, ou est-ce ils ont fait un long trajet, bien sûr, lorsqu'il s'agit si vous voulez, de cycles orogéniques, ici, lorsque vous avez une péneplanation, bien sûr, ben, les éléments vont faire un bon trajet pour arriver dans un milieu de dépôt. Et donc, c'est pas du tout la même chose que lorsque vous avez un relief qui vient d'être mis en place. Donc tout ça, on peut le connaître à travers, bien sûr, la granulométrie, mais pas seulement la granulométrie, mais la morphoscopie, l'exoscopie, etc. Que c'est la morphométrie et l'exoscopie, étude des formes, description, mesure. Donc ça va nous donner une idée sur les milieux de dépôt, les trajets parcourus par les éléments, la nature même de l'agent de transport, les phases de dépôt et de remobilisation de ces éléments dans le temps et dans l'espace, etc. La densimétrie, bien sûr, étude des argiles, diffractométrie, tout ça c'est appliqué sur les roches détritiques. Vous voyez, donc la densimétrie, c'est pour l'étude des argiles. C'est toujours des fragments détritiques. La diffractométrie, bien sûr, c'est pour les argiles aux rayons X, les études par les rayons X. La calcimétrie, pourcentage de CaCO3, c'est la calcimétrie, bien sûr. Ça nous donne une idée sur l'évolution pédologique du sédiment. Les grains de classement, phénomène de transport, d'érosion, d'accumulation, bien sûr, lorsque vous trouvez des séquences granulo classées normalement, etc., avec des érosions, soit des séquences de progradation, soit des séquences de chaînalisation. Donc ça, vous savez, on en a parlé sur le terrain, bien sûr. Stratification et limites, indication sur les paléogéographies, la structuration. Bien sûr, il faut faire intervenir là les discordances, les discontinuités, etc. Donc les différents phénomènes tectoniques aussi qui contrôlent la sédimentation. Donc ça, c'est
la géologie générale, soit dit. Les figures sédimentaires, les conditions de transport, de dépôt, d'érosion, ainsi que les caractéristiques climatiques et paléogéographiques du milieu. Bien sûr, avant de faire la granulométrie, si vous voulez, c'est une méthode d'analyse sédimentologique appliquée aux roches détritiques, de la taille des sables. Bon, ici, on va s'intéresser au sable. Il y a toujours une granulométrie géotechnique ou technique que l'on applique sur les graviers, les galets, bien sûr. Ce que vous achetez sur les matériaux de construction ont subi certainement une granulométrie. Ils ont été classés par granulométrie, par tamisage, pour les vendre sur le marché. Et chacun va demander une certaine granulométrie pour un besoin donné. Bon, les figures sédimentaires ici, bien sûr, ça fait partie des études qui sont très intéressantes, bien sûr, parce que ça vous donne une idée sur l'agent de transport, sur le milieu de transport, sur l'énergie qui a accompagné ce transport, etc. Donc, sur beaucoup de choses qui vont vous définir les conditions du milieu de dépôt. Les figures pédologiques, héritage, dissolution, altération, précipitation, pédogenèse, figure anthropique, etc. Donc tout ce qui est figure pédogénétique, pédologique, c'est lorsque vous avez par exemple un sol qui va évoluer une roche qui va évoluer en un sol, vous trouverez certainement beaucoup de données sur les conditions aussi du climat, bien sûr. C'est-à-dire que vous trouverez beaucoup d'indices sur le paléoclimat et sur les conditions dans lesquelles ce sol va évoluer, ou cette roche mère va évoluer en sol. Donc disons une évolution pédologique. Bon, faciès, minéraux, les fossiles, pétrographie, exemple, la minéralogie des argiles qui donne des indications sur la source de sédiments, évolution pédogénétique, et donc permet de caractériser le paléoclimat. Bien sûr, ça c'est pour les argiles, il y a beaucoup de choses que l'on peut bien sûr avoir comme des résultats lorsqu'on fait les argiles. Bien sûr, la kaolinite ça indique quelque chose, la momorionite ou la smectite ça indique autre chose, il y a des argiles marines bien sûr qui indique autre chose, etc. Donc ça, c'est pas la peine d'ouvrir des parenthèses qui ne vont pas finir, bien sûr. Bon, perspective des études, de l'étude granulométrique, la dynamique des transports, bien sûr. La dynamique des transports, soit dans le milieu aquatique, soit dans le milieu aérien, bien sûr. La dynamique des transports des les grandes dunes désertiques, bien sûr, elles vont migrer, bien sûr, sous le vent, et selon les directions des vents dominants. Les mouvements des particules, ça nous aide à avoir une idée sur le sens du courant. Les écoulements et la rheologie, lorsque vous vous intéressez, bien sûr, aux caractéristiques mécaniques des sols, c'est la rhéologie, ou encore du matériel lui-même. La détermination de la lithodépendance permettra l'identification de l'origine des roches mères et par conséquent le degré d'évolution par rapport à ces roches. Donc lorsque vous allez voir, lorsque un granit va subir une désintégration, bien sûr, il va donner une arène granitique. Mais si les éléments sont restés sur l'arène granitique, ils auront une certaine forme, une certaine, texture, alors que s'ils subissent des transports et ils vont très loin, ils vont subir certainement des transformations au niveau de leur taille, de leur forme, de leur surface, etc. Les disciplines associées, l'étude des caractéristiques chimiques, minéralogiques et paléontologiques des roches sédimentaires et la pétrographie sédimentaire. Donc on étudie ça dans tous les domaines de la géologie, bien sûr, pétrographie, stratigraphie, hydrogéologie, etc.
Le domaine d'utilisation de la granulométrie en général. Bon, tout le monde utilise la granulométrie. Donc, il faut bien savoir que tout le monde pratiquement utilise la granulométrie. Et ça fait partie des études préliminaires dans chaque étude de bassin, ou soit de sédiments récents, actuels, soit de milieux, bien sûr, actuels pour un besoin quelconque. C'est pas l'étude d'un sol pour l'agriculture, c'est-à-dire tout ce qui est, disons, dans tout ce qui est, si vous voulez, agronomique. Les études agronomiques essentiellement qui s'intéressent au sol, à pédologie, ça commence par la granulométrie. L'hydrogéologie, la géologie et l'hydrographie, bien sûr, devaient faire des études sédimentologiques, essentiellement granulométriques, lorsque vous faites des forages, bien sûr, ou tout à fait à la surface. Aménagement du territoire, on va le voir des cartes parfois. Il faut établir des cartes géotechniques de surface. Lutte contre les risques naturels, la désertification par exemple, l'étude des dunes de la désertification commence par, bien sûr, faire arrêter les dunes, si on peut dire, c'est un exemple. Évolution des milieux actuels et anciens pour des besoins, soit de connaissances fondamentales, soit de recherche, bien sûr, de matériaux ou de ressources géologiques. L'archéologie, bien sûr, les archéologues utilisent beaucoup la granulométrie aussi pour leurs besoins tout à fait de scientifiques. Bon, les données granulométriques permettent d'obtenir les principaux paramètres sédimentologiques comme la proportion de différentes classes, caillotis, gravier, sable, grossier, moyen, fin, vase, les propriétés physiques, densité, porosité. Bien sûr, la densité, la porosité, c'est des études très importantes lorsqu'on s'intéresse, par exemple, c'est pas à des dépôts anciens enfouis, par exemple, parce que la granulométrie, c'est quand même une étude d'analyse sédimentologique appliquée aux roches meubles ou peu consolidées. Donc, on ne va pas dire que on va l'appliquer à des grès, non. C'est quand même une étude que on essaie d'avoir toujours du matériel qui est soit tout à fait meuble, soit très peu consolidé, dont on peut bien sûr concasser soit à la main, soit avec des petits coups pas très sévères par des mortiers. Ça reste toujours plus ou moins meuble. Parmi les caractéristiques, c'est la proportion de différentes classes et le taux de calcaire dont les sédiments sont utilisés pour réaliser les cartes géotechniques. Donc ces cartes géotechniques, bien sûr, sont utilisées dans les pays un petit peu plus avancés pour des besoins d'avoir une idée sur la surface. C'est-à-dire l'aménagement du territoire commence par des cartes géotechniques pour des utilisations pour des préférences, soi-disant, si vous voulez construire des bâtiments, il vaut mieux chercher de la roche solide et construire par-dessus, laisser tout ce qui est cultivable pour les cultures. Ça, c'est aussi une façon de voir. Donc, ça, c'est pour les inondations, pour les risques naturels, pour beaucoup de choses, bien sûr, on utilise des cartes géotechniques. Donc, les cartes géotechniques ont une multitude d'utilisations et normalement un pays doit avoir une ou des cartes géotechniques pour tout aménagement ultérieur. Bon, je vais très vite, bien sûr, parce que ça, vous sont des choses que vous connaissez. Donc, granulométrie des sables. Ici, on va s'intéresser essentiellement au sable et je vais parler de l'échantillonnage, des petites
idées, bien sûr, sur l'échantillonnage. Bien sûr, lorsque vous faites un échantillonnage, ça doit être systématique. Lorsque vous allez faire, par exemple, une étude de l'Oued Wrika ou l'Oued Zet ou l'Oued Tensift ou l'Oued Nfis ou n'importe quel Oued, ou encore une plage, donc, c'est-à-dire que vos échantillons doivent être systématiques, c'est-à-dire pris à des distances bien définies à l'avance. Et ne pas prendre n'importe quoi, n'importe où. Si vous voulez échantillonner dans un Oued, il y a bien, il faut savoir que vous pouvez soit échantillonner dans le lit mineur, soit dans le lit majeur, soit dans la plaine d'inondation, soit sur les trois. Et donc, à chaque niveau, vous tracez trois échantillons sur perpendiculaire au lit de l'Oued, disons tracé de l'Oued, et vous allez faire ça à des distances bien définies, c'est-à-dire 10 km par exemple, 20 km, depuis Wrika ou depuis le Piémont jusqu'à Souria, si vous voulez, jusqu'à pratiquement la fin de l'Oued, ou jusqu'à Tanzif. Donc là, c'est ce que l'on veut dire par systématique. Bien sûr, ces échantillons ne doivent pas être pris sur des pistes ou sur des choses qui ont été remobilisées. Il faut que le sédiment soit stabilisé, stable et naturel. Donc vous prenez vos échantillons dans un milieu naturel, qui n'a pas été modifié par actions anthropiques ou animales, de toute façon, disons des animaux qui ont creusé des trous, etc. Non, il faut le prendre dans un milieu, bien sûr, naturel, stabilisé. Bon, au moins 10 cm de profondeur, donc si vous avez, parce qu'on considère que c'est un petit peu un milieu stable, qui n'a pas été modifié très récemment. Donc, les pesées initiales doivent vous laisser à la fin au moins 300 grammes. Donc attention, il y a des matériaux dans lesquels vous devez prendre 1 kg avant, pour avoir 300 grammes à la fin. Si vous avez un mélange, parce que si vous prenez votre matériel dans une forêt ou dans un milieu, cultivé, vous aurez certainement des matériaux divers, donc de diverses tailles. Et donc, il faut toujours avoir au moins, vers la fin, 300 grammes. Donc, vous prenez 1 kg et vous allez voir que on va éliminer beaucoup de choses de ce kilogramme. Donc, soit disant, il faut plastifier vos échantillons. Il faut indiquer sur chaque échantillon son numéro. Sans point au GPS, si vous voulez. Donc, lorsque vous prenez votre numéro de l'échantillon, il faut le signaler sur une carte ou sur votre carnet de terrain et avec un point GPS à côté, bien sûr. Et aussi, prenez la date. Prenez la date. À quelle date vous avez pris ça? Parce que, en général, ce sont des milieux qui changent beaucoup. L'Oued, il va changer. Certainement, au bout de dizaines d'années ou 20 années, il va changer peut-être. Donc là, prenez quand même la date aussi. Bon, la préparation d'échantillons, ça dépend de l'endroit et du milieu de sédimentation dans lequel vous avez pris vos échantillons. Par exemple, si vous les prenez sur une plage, en général, ou dans un lit majeur ou lit mineur d'un Oued, avec un sable bien lavé, vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais si vous les prenez dans une forêt ou dans un milieu, avec beaucoup de dépôts, beaucoup de choses qui ont été ajoutées par la nature, vous serez obligé d'éliminer quand même certaines choses. D'abord, on va éliminer tout ce qui est supérieur à 2 mm par un tamisage sur un tamis à sec. Si vous voulez, de 2 mm. Donc on va utiliser un tamis à sec et on va éliminer les graviers, tout ce qui est gravier, tout ce qui est taille supérieure à 2 mm, on va l'éliminer à côté et on va laisser passer tout ce qui est inférieur à 2 mm. Puis on va éliminer encore la taille inférieure à 50 microns. Ici c'est 0063, moi je dis 50 microns, c'est la même chose de toute façon. Donc vous allez utiliser par exemple un tamis de 50 microns et vous allez laver cette fois-ci sous l'eau votre échantillon. Vous le lavez et vous laissez passer la taille bien sûr
inférieur à 50 microns. Donc, ce que vous aurez, bien sûr, c'est des tailles comprises entre 50 microns, si vous voulez, et 2 mm, ou 0,063 mm à 2 mm. Bon. Dans le cas de sable, d'un sable silico-clastique, une déclassification sera réalisée par de la CL à 0,1, si vous voulez, à 0,1 normal, donc 0,1 de normalité 0,1, et dilué à 30%, donc de l'acide chlorhydrique tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on évite les petites pellicules qui se seraient bien sûr déposées sur les grains. Vous savez que les eaux de pluie, bon, toutes les précipitations, bien sûr, vont faire circuler de la calcite et du CaCO3, donc, qui va certainement, dans certaines conditions, faire des petites pellicules autour du grain de quartz, essentiellement, et ces grains sableux vont avoir une pellicule qui va plus ou moins agrandir leur épaisseur, leur dimension quoi, initiale. Donc, leur taille sera agrandie. Et on ne veut pas de ça, bien sûr, parce qu'on cherche, nous, le grain tout à fait comme le premier jour où il a été déposé. Donc, on voulait arriver à avoir un grain tout à fait comme dans les conditions de dépôt du premier jour où il a été déposé. Donc, c'est pour ça que l'on cherche à éliminer cette pellicule ou ces pellicules de petits grains, enfin petites pellicules si vous voulez de calcite. Cette étape sera ignorée dans les cas d'un sable bioclastique. Bien sûr, lorsque vous avez un sable bioclastique de plage, bon, on ne va pas faire ça, bien sûr. Les oxydes de fer sont éliminés par une attaque à l'acide oxalique. On installe la préparation dans de l'acide oxalique pour quelques temps et puis la matière organique. Enfin, les oxydes de fer, si vous êtes dans un terrain très ferreux, par exemple, Khtara ou autre, bon, vous trouvez quand même, il y aura des pellicules d'oxyde de fer et surtout des agrégats. Parce que les oxydes de fer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils vont rattacher les grains entre eux. Et ça va faire des agrégats, des grains qui seront rassemblés par 3, par 4, par plusieurs. Parce qu'il y a cette pellicule d'oxyde de fer qui va rattacher les grains entre eux. Et donc, ça va changer un petit peu la granulométrie. On ne veut pas de ça non plus. La matière organique, lorsque vous avez des complexes organiques qui vont s'intégrer entre les grains, ils vont faire la même chose que les oxydes de fer, c'est-à-dire ils vont faire des agrégats et rattacher les grains entre eux et peut-être même faire des pellicules, parce que vous savez que les champignons, les bactéries, les organismes biologiques, disons, tout ce qui est produit par les racines, des enzymes, etc., sont des matières, c'est de la matière organique, bien sûr, qui pourraient plus ou moins changer donc les grains tout autour et faire des complexes un petit peu organiques qui vont faire des agrégats. Donc il faut détacher tous les grains et éliminer toutes les pellicules qui pourraient se déposer à la surface des grains. Donc on utilise dans ce cas de l'eau oxygénée H2O2, on installe la préparation pendant 6 heures, au moins 3 à 6 heures, dans de l'eau oxygénée et on va la laisser jusqu'à ce que toute la matière organique disparaisse, enfin soit dissoute. Puis, à la fin, on va rincer à l'eau distillée abondante et on va sécher dans une étuve au soleil, si vous avez le temps. Bon, on le met dans une étuve à 80 degrés pendant 1 heure à 2 heures et puis vous allez peser votre préparation. Donc là, c'est la préparation, c'est les analyses avant le tamisage. Donc c'est la préparation de l'échantillon. Ok, donc maintenant on va passer au tamisage. On va passer au tamisage. Ben, le tamisage, il se fait sur une colonne de tamis qui est croissante de bas vers le haut. Bon, bien sûr, vous trouvez ici un réceptacle. En général, on a un réceptacle
c'est-à-dire un tamis. Ben, ces tamis ont un diamètre de 20 cm en général. Bon, en général, on va utiliser une colonne. Parfois, on utilise trois colonnes si vous avez un sable de très, qui est entre 2 mm et 50 microns. Bon, vous serez obligé d'utiliser trois colonnes successives. C'est-à-dire, vous commencez par les plus grossiers et en allant vers les plus fins. Mais je vais parler d'une seule colonne de toute façon. Bon, ici, la colonne, si vous voulez, vous avez un réceptacle en bas. Ça, c'est la colonne. Un réceptacle en bas, c'est-à-dire un tamis qui n'a pas de port, qui n'est pas troué, et un couvercle par-dessus. Et vous avez une série ici. Cette série doit suivre, si vous voulez, une certaine, certain ordre. Cet ordre, si vous voulez, c'est, vous allez le savoir, c'est que ces tamis, c'est pas n'importe quoi, c'est des tamis qui sont, qui doivent suivre un petit peu cet ordre. Bon, une, si vous voulez, progression géométrique avec une base 1, si vous voulez, et avec aussi une variation de raison, si vous voulez, racine de 2, 1,259. Donc, autrement dit, bah, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous utilisez ici 50 microns, si vous avez ici, vous avez le couvercle, enfin le réceptacle. Si vous utilisez ici 63 microns, ici vous allez avoir 80 microns, ici 100 microns, ici 125 microns, ici 160 microns, ici 200 microns, ici 250 microns, ici 315 microns. Donc cette succession, elle est bien sûr bien établie et tout le monde travaille avec cette succession. C'est-à-dire que tout le monde doit travailler avec cette succession. Le tamisage est réalisé à l'aide d'un tamis de maille carrée dont les ouvertures croissantes suivant une progression géométrique de base 1 de raison 1,259. Série de tamis gamme Afnor par exemple, utilisée dans notre cas. Bon, c'est-à-dire que bon, vous trouvez ici des tamis à grand port, à grande maille. Ça, ce sont les tamis de géotechnique. Ben, pour nous, on va utiliser essentiellement des tamis de ce type, c'est-à-dire variable entre 50 microns et 2 mm. Bon, la granulométrie des sédiments, d'un sédiment renseigne sur la nature et la vitesse de l'agent de transport par l'intermédiaire de la loi de Stokes, sauf si le bassin sédimentaire d'origine présente des sédiments homogènes. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, après avoir pesé, bien sûr, une fois, bon, je dis que on n'a pas parlé d'autre chose, bien sûr, ici, c'est le vibreur. On a un vibreur électrique. Bien sûr, vous voyez que ce vibreur électrique, on peut, c'est une machine qui va faire vibrer l'ensemble, cette colonne va vibrer tout simplement pour permettre au grain de passer parce qu'on va mettre notre préparation, bien sûr, dans le couvercle, dans le tamis supérieur. Et on va fermer, on va fixer tout ça sur le vibreur et on va faire marche. Ça va marcher pendant un quart d'heure pour une vibration moyenne pendant 10 minutes à un quart d'heure. C'est déjà suffisant avec une vibration moyenne pour ne pas concasser bien sûr les grains, etc. Donc ça c'est, et on met bien sûr auparavant, on a versé notre préparation que l'on a préparé déjà dans le tamis supérieur. Ici, le tamis supérieur, c'est-à-dire 2 mm. Et on va fixer le tout et on va faire marche pendant 10 à 15 minutes pour une vibration moyenne. Voilà. Donc là, après ces 10 minutes, bien sûr, vous allez peser sur une balance de précision. Vous allez commencer, bien sûr, il faut le faire délicatement parce qu'il ne faut pas perdre non plus des grains. Il faut détacher donc les tamis supérieurs. Prenez le refus, ce qu'on appelle le refus simple ou le refus séparé de chaque tamis. Donc, après tamisage, chaque tamis va retenir une portion, une partie de la préparation. C'est ce qu'on appelle le refus séparé. Donc, ce refus séparé,
va être pesé sur une balance de précision et il va être relevé sur une fiche technique à côté, donc avec le tamis. Tamis, c'est quand tamis 2 mm, combien, bien sûr, de grammes. Parce que si vous voulez, vous la pesez, elle est quand même au centième de gramme. Donc, c'est une balance de précision avec un centième de gramme comme incertitude, si vous voulez, comme précision. Voilà, donc vous allez relever votre... Regardez ici, on a la maille d'ouverture. Donc, je ne vais pas parler des mailles en unité phi, je vais parler uniquement de taille en millimètres. 0,50, c'est-à-dire 50 microns, 63 microns, 80 microns, 100 microns, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 mm, 1 mm 250, 1 mm 600, 1 mm 2 mm. Donc ça va s'arrêter ici. Donc vous voyez, les numéros de tamis, c'est entre 18 et 34. Donc ça, c'est les numéros. Tous les laboratoires du monde vont utiliser ces mêmes ouvertures. Pourquoi ? Parce que si vous publiez dans un journal international, bien sûr, on va comprendre qu'est-ce que vous avez fait. Donc, lorsque vous avez parlé des paramètres granulométriques de votre sable, tout le monde sait de quoi vous parlez. Parce que tout le monde va utiliser le même matériel et il va s'appuyer sur les mêmes règles, bien sûr. Voilà, donc, une fiche technique. C'est la fiche technique à laquelle on va aboutir à la fin de chaque tamisage. Bon, après le tamisage, je vais vous l'expliquer sur l'autre vidéo qui va venir. Bon, les résultats sont exprimés sous forme d'histogramme ou de courbe de fréquence ou encore de courbe cumulative. D'accord ? Donc, les résultats seront exprimés sous forme d'histogramme ou encore de courbe de fréquence ou encore de courbe cumulative. Bon, ces résultats, c'est-à-dire histogramme, courbe et courbe de fréquence et courbe cumulative, seront essentiellement tracés sur un papier semi-logarithmique. Vous voyez, c'est un papier, disons, c'est pas millimétré, mais il possède un axe X ici qui est logarithmique et un axe Y qui est arithmétique. Donc l'axe Y ici est ordinaire, c'est-à-dire vous avez bien des centimètres. Mais ici, on n'a pas des graduations, si vous voulez, qu'on a l'habitude d'utiliser. Vous avez bien sûr ici une graduation logarithmique. Bon, la graduation logarithmique ne commence pas par 0 parce que log 0 c'est moins l'infini et log de 1 c'est 0. Donc on va commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous remarquez ici que les graduations vont diminuer de 1 vers le 10. Et puis c'est fini. On va commencer ici toujours par le 2, 3, 4, 5, 6, 10 puissance 2. On va lire, donc 10 puissance 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous voulez représenter votre... parce que là, c'est quoi finalement? C'est bien la taille des grains. Ce sont les tamis. Ok? Ce sont les tamis. Et donc, ces tamis qui sont utilisés ici, c'est... la granulométrie du sable, ok, c'est la granulométrie des sables. Et lorsque vous allez passer par exemple entre 50 microns et 2 mm, ben si vous utilisez une échelle arithmétique comme celle-là, il va vous falloir au moins 4 papiers comme ça, c'est-à-dire 4 papiers, largeur de 4 papiers A4. Et là, 4 hauteurs, si vous voulez, pas seulement largeur, mais la hauteur des A4. Chose qui n'est pas, qui n'est pas très pratique, soi-disant. Ce n'est pas pratique parce que si vous voulez lire vos courbes, ça ne sera plus lisible. Si vous voulez représenter ça sur un écran d'ordinateur, ce n'est plus possible, etc. Donc,
Les gens travaillent sur des papiers logarithmiques quand ils ont des évolutions très rapides latéralement, ici sur l'axe des x. C'est comme ça aussi pour tout ce qui est, enfin, c'est pas seulement la sédimentologie qui utilise ce papier, c'est tout le monde qui utilise ce papier. Donc, l'électronique utilise beaucoup ce papier ou ce quadrillage ou si vous voulez, cette échelle logarithmique pour montrer les propriétés des pièces électroniques, soi-disant n'importe quelle pièce, des diodes ou des transistors ou autres pièces. Donc, on utilise largement cette représentation, bien sûr, logarithmique, cette échelle logarithmique. Donc là, vous lisez 5, 6 en micron. Donc, en micron, je lis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, mais je lis ici 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, c'est-à-dire 10 puissance 2. Et ici, je lis 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Vous voyez que j'évolue rapidement entre 1 micron et 1000 microns sur une feuille A4. Chose qui n'est pas possible lorsque vous allez utiliser une échelle arithmétique comme ça. Donc vous voyez pourquoi on utilise ce papier. Bien sûr, ce papier, chacun va l'utiliser de sa manière. Il y a, si vous voulez installer 0,1 micron ici, 1 micron là, 10 microns, 100 microns. Si vous étudiez, c'est pas des microbes, des bactéries ou je sais pas quoi, de petite taille. Parfois 10 microns, 100 microns, 1000 microns, 10 000 microns, 10 millimètres. Donc vous passez de un dixième de, enfin, 0,01 micron vers 10 mm sur la même feuille. Voilà l'intérêt et pourquoi on utilise ce papier exactement. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, lorsque vous avez une fiche, en général, vous avez les numéros de tamis, vous avez la masse qui a été pesée sur votre balance de précision et on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Bien sûr, les pourcentages simples, on va convertir ces masses. Parce que tout simplement, bah, vous allez travailler avec 300 grammes ou 400 grammes de sable, mais sachez que ce n'est pas tout le monde qui va travailler avec 300 ou 400. Bah, il y a d'autres qui vont travailler avec 600. Vous-même, vous avez 10 échantillons. En général, lorsqu'on fait la granulométrie, on ne fait jamais un seul échantillon. On va faire des centaines parfois, des dizaines ou des centaines. Parce que, je répète, tout à l'heure, j'en ai parlé au début, pour l'échantillonnage, si vous étudiez une plage, ben, vous étudiez, disons, la granulométrie sur les changements granulométriques sur une plage d'une façon saisonnière, entre l'hiver et l'été, par exemple, ou à des différences de plusieurs années, etc. Vous n'allez pas utiliser un seul échantillon, même pas 10, même pas 100, mais plusieurs centaines peut-être. Donc là, en général, il faut avoir des fiches techniques pour chaque échantillon, bien sûr, et des points précis où vous avez relevé vos échantillons. Et par la suite, bien sûr, on ne peut pas travailler avec des masses précises d'échantillons. Parce que même au cours de votre pesée, vous allez certainement perdre des centaines de grains par pesée. Et là, ça veut dire que certainement, si vous faites le départ de 400 grammes, vous n'allez pas avoir 400 grammes, vous allez peut-être avoir 395. Et ce n'est pas toujours la même masse, bien sûr, que si vous voulez, vous ne pouvez jamais travailler avec la même masse et avoir toujours la même masse pour comparer plusieurs échantillons. Si vous avez une dizaine d'échantillons et vous voulez les comparer, il faut quand même que les masses soient comparables. Il faut qu'elles soient égales. Donc c'est pour ça que l'on essaie de transformer toutes ces masses en pourcentage simple. Donc on va transformer les masses en grammes en pourcentage.
Bien sûr, la transformation, très facile, vous le savez. Voici des courbes ici rapides, une courbe cumulative, un histogramme, on peut tracer une courbe de fréquence, bien sûr. Voilà, vous pouvez avoir ici des idées, bien sûr, sur les courbes qu'on peut avoir. Ici, une courbe, un histogramme en jaune, une courbe de fréquence. La courbe de fréquence, il faut relier les points médians des classes. Donc, comme j'ai utilisé classe. Parce que ici, on va transformer carrément nos tamis en classes. Ce seront des classes d'équivalence. Et c'est-à-dire que l'on va utiliser notre sable comme étant des populations ou une population formée par différentes couches, si vous voulez. C'est comme si on étudie, je ne sais pas, la population marocaine en tranche d'âge. Vous allez dire que l'âge, c'est pas de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 25, de 20 à 30, etc. Donc on fait des tranches d'âge, et c'est-à-dire des classes d'équivalence. Et c'est ce qui va nous permettre d'étudier statistiquement, donc notre échantillon de grains, de sable, vont devenir une population de grains. Que l'on va bien sûr détailler, c'est les tamis qui nous permettent de faire ça, mais par la suite, tout ce qui va suivre, c'est un traitement statistique, purement statistique. Voilà, bien sûr. Ici, c'est une courbe cumulative. C'est la courbe de fréquence, je répète, vous avez les classes, vous avez l'histogramme. L'histogramme, il vous montre quoi? Il vous montre des classes indépendamment les unes des autres. Donc ça nous montre ici un des classes. Il y a les classes médianes ici qui vont contenir le maximum de grains. La classe médiane ici contient le maximum. Et cette classe va porter ce qu'on appelle le mode. Le mode, c'est le point culminant de cette courbe. Le mode, c'est le point culminant de cette courbe. Bien sûr, on va parler d'une courbe ici unimodale parce qu'elle possède un seul mode. Il y a parfois, lorsque ça possède un seul mode, et vous avez une distribution comme ça, donc vous avez certainement un sable qui est homogène. Il provient de la même source, et certainement, il a subi la même histoire géologique. Alors que si vous avez, par exemple, parfois deux modes, si on peut avoir deux modes, une descente ici, ça fait un M1 ici, quelque part, et puis un remonté et un M2 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez certainement deux populations qui ont été réunies ou rassemblées dans votre échantillon. Et peut-être ils ont deux sources différentes. Deux sources différentes, c'est-à-dire d'où proviennent votre sable. Et il y a certainement un mélange de deux affluents qui se sont rencontrés quelque part, ou de deux bassins qui alimentaient ce bassin, etc. Donc on peut trouver des explications à travers les données géologiques de l'environnement étudié. Voilà, donc je passe ici. Je pense que l'on va revenir, que je vais revenir sur ça dans la vidéo qui va suivre. Donc ici, je pense que je vais m'arrêter ici. Vous aurez toute la suite. Oui, vous aurez la suite, mais vous aurez aussi un exemple que j'ai fait en classe, que j'ai pris pour moi. C'est un exemple, un petit peu virtuel. C'est un exemple tout à fait que j'ai pu monter pour faciliter les calculs. Voilà. Mais si vous voulez voir un petit peu les choses dans la réalité, c'est ça. Dans la réalité, vous avez toujours plusieurs décimales, toujours deux décimales après la virgule. Et là, c'est vraiment très complexe parfois dans les calculs. Complexe, c'est pas complexe, mais ça, pour que l'on puisse se concentrer sur la méthode, sur les calculs, c'est pas la peine de faire des virgules. C'est ce que j'ai essayé de faire dans l'exemple qui va suivre.
Voilà, donc je m'arrête peut-être ici et je vous envoie directement à la vidéo qui va suivre, qui s'appelle Granulométrie 1. Donc, je vous remercie pour votre attention et on va étudier la courbe cumulative dans la vidéo qui va suivre, bien sûr. Voilà. Merci, au revoir et bonne chance.